Le système racinaire. On a du mal à comprendre quand même, hein. C'est difficilement quantifiable. Il y a un monsieur qui s'appelle Christophe Drenou, qui travaille pour l'INRA de Angers, je crois, qui a énormément déraciné des arbres. Et après la tempête, il a nettoyé énormément de systèmes racinaires, c'est-à-dire passé du temps à faire tomber la terre pour essayer de comprendre comment ça se passe. D'ailleurs, je pense que certains dessins des bouquins liés à Arbres et Paysages 32, là, ils se connaissent quoi, avec Christophe Drenou. C'est-à-dire qu'on n'invente pas le système racinaire, quoi. C'est quand même plus complexe que ce qu'on pense. Donc on nous avait vendu à l'école que quand on a un arbre, ben, on a à peu près le même système racinaire en dessous. Au niveau du volume de connexion, on a peut-être quelque chose de similaire, mais par contre au niveau architecture, ça n'a rien à voir. Parce que le système racinaire, lui, je le disais hier, l'engrais numéro un, c'est l'air. Donc l'air, mais ce n'est pas l'air pour les racines, hein, c'est l'air pour les micro-organismes qui décomposent la matière. Et la nutrition dans le sol, c'est pas le caillou, quoi. Les arbres, ils ne sucent pas le caillou, quoi. Les vignes, elles ne sucent pas le caillou. Si on n'a que du caillou, on n'a pas de vie. Que du caillou, c'est un désert. Donc en fait, c'est réellement la matière organique et vivante tombée au sol, les acides humides qui créent la possibilité aux plantes de fonctionner. Hein. On a d'abord les lichens qui arrivent, puis après les genêts, puis après les bouleaux. Il y a un cycle vertueux de création de la matière sur les sols. Donc le système racinaire, lui, il est à la botte de ce système-là de décomposition de la matière. Donc il ne se développe que là où il y a des substances nutritives à attraper ou éventuellement une fraîcheur qui peut lui faire défaut en surface. C'est-à-dire que si la partie humifère du sol est sèche et complètement exempte d'eau, il est capable de descendre un petit peu en profondeur pour attraper de l'eau et la rebalancer en surface. Hein, on dit bien, Alain Canet le dit suffisamment souvent, que les arbres, ce sont des pompes à eau. Hein. C'est des pompes à eau, mais ce n'est pas des pompes qui descendent à 5 mètres. Hein. Bon, c'est plutôt rare. Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. D'accord ? Et puis alors, les racines qui peuvent descendre à 5 mètres, ce sont des choses qui ressemblent à un petit doigt, enfin, voire même moins. C'est des racines quand même très fines. On a eu cet amalgame-là parce que quand on est descendu dans le gouffre de Padirac, on s'est aperçu qu'il y avait des racines d'arbres et qu'on était à 90 mètres sous terre. Mais il ne faut pas faire cette analogie-là avec le gouffre de Padirac, puisque là, on était dans un sol karstique. Donc on était dans un sol, imaginez une dalle en pierre avec des fissures qui descendent jusque dans le gouffre de Padirac. Donc là, tous les acides humiques embarqués par l'eau vont dans cette fissure et descendent dans le gouffre. Donc si toi, tu es une racine, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu suis. Donc là, il n'y a aucun problème, le végétal est capable de faire ça. Il est capable d'aller très profond. Mais si tu te retrouves avec à 60 cm un sable compacté ou une fine feuille d'argile même étanche, le végétal il va faire bam et hop, il va se contenter d'aller en surface de l'argile sur cette surface étanche. Le système racinaire va donc là où la porosité du sol permet aux acides humiques de descendre, en quelque part. On pourrait le caractériser comme ça. La porosité du sol qui est liée ben oui, à l'activité biologique et qui est liée à la granulométrie et puis la manière dont sont agrégés les sols. Ok, donc cette idée-là, à la base, on l'a aussi pensé parce que quand on a un jeune arbre, une jeune plante, on a un pivot qui est hyper important. D'ailleurs, quand on sème une graine, la plante met d'abord une racine et après sort ses cotylédons. Hein, et là, quand je fais, je pourrais même l'allonger un petit peu au niveau proportion. On a souvent ce rapport-là. Hein, et puis assez rapidement, en fait, on a le végétal qui se développe et puis une lignification de quelque chose de très vertical, hein, et le développement du feuillage qui se fait sur la partie aérienne. Donc quand on sort une jeune plante et qu'on se retrouve avec ça, on fait une analogie, on se dit, ben, il va y avoir un sacré pivot.
Mais en fait, ce qui se passe, c'est que là, elle a déjà colonisé les 30 premiers centimètres. Elle est déjà allée là où il y a l'humus. 30 ans plus tard, on va se retrouver avec cette plante-là, avec un diamètre comme ça. Elle va avoir probablement perdu une partie de son pivot et elle va faire des racines latérales avec d'autres pivots comme ça. Mais elle sera toujours dans les 30 cm qu'il y a ici. Elle n'aura pas bougé. Elle a déjà trouvé l'endroit où il y avait les acides humiques qui étaient embarqués par l'eau de pluie. Bien sûr, je grossis le trait, je caricature, mais en même temps, c'est plus souvent comme ça que ça se passe. D'ailleurs, quand vous voyez les arbres qui se déracinent, vous voyez plus des plateaux que des espèces de grandes fourches. Bon, en même temps, s'il y avait des pivots qui faisaient 2,50 m, ils ne se déracineraient pas. Hein. Et il y a des endroits où ils ne se déracinent pas, d'ailleurs. Hein. Mais... C'est même dans les zones plutôt à forte sécheresse où on dit qu'il faut essayer de privilégier l'enracinement. L'enracinement, garder le pivot, donc éviter le porte-greffe, etc. pour justement les problèmes d'eau. En fait, tu dis complètement l'inverse. Ben, je dis pas complètement l'inverse, mais c'est bien sûr encore une fois à contextualiser, mais cette réflexion-là, pour moi, elle est vraiment dangereuse parce que souvent on se dit. On va faire comme avec les pieds de tomate, quoi. On va mettre le système racinaire. Moi, je connais des vignerons. Ils mettent leur système racinaire, là, comme ça, à moins 50, en se disant, ah ben là, au moins, comme ça, on gagne du temps. Je mets les racines là où il y a de la fraîcheur. Mais ça, c'est systématique. On arrache. Qu'est-ce qu'on voit ? Des ficelles qui viennent comme ça. Et ici, ça a végété total. Et ce n'est ni plus ni moins que le système racinaire qui est venu, lui, descendre à cet endroit-là. Donc en fait, tu peux pas mettre le système racinaire dans l'endroit où tu voudrais qu'il soit. C'est lui qui va aller dans l'endroit où il a besoin d'aller. D'accord ? Donc si ça se passe pas bien, des fois tu fais un trou et tu remplis de pouzzolane et hop, ça part. Tu vois ? La question, c'est qu'est-ce qui se passe ici ? Si tu avais une hydromorphie ici et que tu avais mis ton système racinaire ici, tu fais un trou, tu remplis de pozzolane, eh ben, l'hydromorphie elle descend à ce niveau-là, et eh ben hop, bah, t'as une amélioration du volume d'air à cet endroit-là qui fait que les racines peuvent se développer en quelque part. Mais c'est le risque, en fait, c'est ça. C'est de se dire que je cherche à faire en sorte que la plante s'enracine artificiellement, quoi, en quelque part. Donc, j'entends ta question. C'était plutôt, est-ce que je fais un semi-direct pour justement garder ce pivot, ou bien vu qu'on colonise que les 30-40 premiers centimètres, du porte-greffe sans pivot peut arriver à se débrouiller tout seul, même en zone de sécheresse Me semble-t-il que tu as la réponse quand tu poses la question, parce que si tu mets... une plante capable d'avoir un système racinaire qui va perforer le sol, comme de la luzerne par exemple, et que donc du coup tu vas créer une porosité dans le sol, en fait, c'est ça que tu vas créer. Tu vas pas, la luzerne, elle principalement ce qu'elle crée, c'est de la porosité. C'est en quelque part, si tu as un sol hydromorphe, ton hydromorphie elle va se retrouver ici, quoi. Tu permets à l'air de rentrer dans le sol en quelque part. Donc si tu fais ça, c'est beaucoup plus facile pour l'arbre de trouver, une fois que ta luzerne meurt, un chemin qui va pouvoir faire en sorte d'aller descendre plus bas. Donc il faut continuer à faire un semi-direct pour avoir un meilleur enracinement. Ça, c'est une bonne chose. Vous vous rappelez 2016, quand c'était sec ? Incroyable, quoi. Je veux dire, là, c'était... Moi, j'ai planté une haie dans le centre agroécologique là, qui s'appelle le Battement d'Aile en Corrèze. Là. On a fait une haie fruitière au printemps. Et on s'est dit, ben, c'est loin, on ne va pas arroser, quoi. Donc on a mis, je sais pas moi, il y a 60 arbres, plus après 200 arbustes différents. Et en fait, on n'a pas du tout travaillé la prairie. C'était une prairie, donc de l'herbe, donc c'était assez gras, sorti d'hiver. On a fait des bandes de carton, des grandes bandes de carton. On est allé choper du carton, des bandes de carton. Et on a mis 20 cm de bois broyé. Et on ne s'est pas fait chier, il y avait tout, cyprès, résineux, parésineux, 20 cm de bois broyé. Et puis après, on a creusé des trous juste dans la prairie et puis on a planté là-dedans.
Bon, avec un peu de compost à chaque pied quand même, hein, soyons honnêtes. Un peu de compost animal à chaque pied. Bon, se passe le printemps, et puis moi je vais quand même à mes activités, et à un moment donné je me dis, tiens, il faudrait quand même que j'aille voir les arbres, parce que je me dis, oula, ça doit être sec, donc fin août, style, donc dans le moment où c'était le pire, quoi. Et bien, je suis allé là-bas, il n'avait pas plu depuis hyper longtemps, j'ai commencé à gratter, j'ai plus trouvé le carton. Il était déjà disparu le carton, on n'avait pas travaillé le sol, hein, c'était de l'herbe direct. J'ai rentré mon bras dans le sol jusqu'à mon coude, juste en grattant comme ça avec ma main. Et c'était humide, humide, c'est-à-dire que si je pressais, j'avais quasiment de l'humidité qui sortait. Peut-être que je suis dans un endroit où c'était favorable, mais c'était quand même en coteau, en Corrèze, dans un endroit où le sous-sol, c'est du gneiss. Donc en fait, c'est hyper drainant quand même, tu vois. C'est quand même un sable, un futur sable, quoi. On n'est pas loin du sable. Donc c'est très peu de limon. Et donc ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que l'eau, c'est pas tout le temps ce qu'on pense. C'est pas tout le temps l'eau qui tombe aussi du ciel. Et c'est une histoire de consommation et d'activité, quoi. Et donc je pense qu'il vaut mieux miser sur ce travail-là, en se disant que sur la porosité du sol, puisqu'en fait c'est ça qui s'est passé. J'ai amené un steak gigantesque, en plus de ça je l'ai posé sur de l'herbe fraîche, donc appétence maximale pour les vers de terre, plus en plus les vers de terre ils étaient dans le noir, protégés par les copeaux. Ils adorent le noir, hein, les vers de terre. Ils supportent pas sortir. Et d'ailleurs, c'est la nuit qu'ils font les duricules. Hein. C'est la nuit qu'ils font des allers-retours et qui, des fois, la nuit, hop, ils sortent, ils font comme ça et ils redescendent. Mais la journée, jamais tu vois ça. S'ils font ça, de toute façon, ils sont bouffés. Donc, ils le font pas. Et donc là, il y a eu une activité incroyable, une pérosité incroyable qui fait que toute l'humidité de la nappe pouvait remonter et alimenter le végétal. Et que, bah, imagine que tous les végétaux, les arbres fruitiers qui étaient là, pompés, à peut-être moins 15, moins 20 bars de l'eau dans le sol, ça crée, t'imagines la pompe que ça crée sur une bande comme ça, ça crée une espèce de pompe globale qui fait que l'eau de la nappe, elle remonte, quoi. Je pense qu'il faut essayer de se passer de l'arrosage, à tout prix, je crois. Moi, c'est ce que je pense. Parce qu'on est hyper dépendant, on ne sait pas trop l'eau qu'on met, hein, même si c'est de l'eau de rivière, on ne sait pas en fait. Et on est dépendant, quoi. Et l'arbre lui-même, il est absolument pas autonome, quoi. Dès qu'on arrose, on va galérer. Et sur des jeunes plants, moi, je ne tuteur plus et je n'arrose plus dès la plantation. Par contre, je m'applique à la plantation, quoi. Vraiment, je m'applique. Il faut que ce soit aéré, décomposé, et je mets de la matière à toc. Et le carton. Le carton, bénédiction, carton, c'est gratuit en plus. La récupération est facile, quoi.